académique, monsieur le directeur du pôle connaissance, cher François Germinet, monsieur le directeur adjoint, sur le vendard, madame la députée, mes chers collègues de CNP et mesdames et messieurs les enseignants et les élèves, je ne sais pas si j'en entends quelques-uns, mais en tout cas, on sera ravis d'échanger avec eux. Je voulais vous dire quelques mots pour conclure. Avant d'arriver à Canopée, j'ai eu la chance d'exercer le beau métier de journaliste. Et je me suis, pendant plusieurs années, intéressée au développement du numérique éducatif, dans ses prémices, sous ses différentes formes, à travers les différents plans numériques. Et il est vrai que j'ai écouté, assisté à beaucoup de conférences où il était question de faire entrer le numérique à l'école. Alors, comment faire entrer le numérique à l'école, les environnements numériques de travail, les plans différents de ressources, les investissements du ministère de l'Éducation nationale, le travail déjà avec la EdTech, qui est déjà ancien, contrairement à ce qu'on peut croire. Et en arrivant à Canopée, en plein confinement, je peux dire, et avec ce tsunami numérique, pour reprendre l'expression d'un autre journaliste, Emmanuel Doulenko, si vous avez connaissance de son ouvrage, nous étions dessus avec le confinement. Évidemment, on a eu l'occasion, avec ces territoires numériques éducatifs, de s'engager tous ensemble et de prendre le sujet autrement, je crois, avec une vraie conviction partagée qu'il était temps, non pas de faire entrer le numérique à l'école, mais devrait véritablement faire entrer l'école dans la société numérique, au vu de la période que nous avions vécue, à savoir ce confinement et les difficultés immenses qui ont été surmontées par les professeurs, des grandes disparités sociales. Il faut se souvenir que dans les TNE, il y a cet engagement social d'égalité dans l'accès au numérique à travers la formation, à travers l'équipement, et d'abord, en premier lieu, dans ce territoire du Val d'Oise et de l'Aisne, qui, de manière très volontariste, s'est engagé dans ce dispositif. Donc, je remercie une nouvelle fois le SGPI pour sa confiance au moment où nous sommes lancés, sans savoir où nous allions, je dois dire, mais avec beaucoup, beaucoup de conviction. Et 3 ans après, monsieur le secrétaire général a rappelé des éléments de bilan. Je crois que ce qu'on peut se dire, c'est qu'on est dans un moment très particulier. On fait ce premier bilan ensemble de ce qui s'est passé dans le Val d'Oise. Je parle trop fort. Pour une fois, je parle trop fort. Et donc, ce bilan, il s'inscrit dans un moment qui n'est pas complètement classique et qui est assez inédit. On est en ce moment, vous le savez, bousculé par une transition numérique inédite, c'est une accélération technologique inédite qui est celle de l'intelligence artificielle et notamment avec ces intelligences artificielles conversationnelles, ChatGPT, qui interroge beaucoup tous les acteurs qui s'intéressent au numérique et qui interroge en particulier les enseignants. À un moment, François Germinet l'a rappelé, de transition écologique aussi, comment articuler transition numérique et transition écologique. C'est un sujet qui vient nous bousculer. Et puis, un moment aussi de grands questionnements, notamment chez les parents, comme l'a rappelé Claudie Martin, la directrice de la Trousse à Projet, sans qui également rien ne serait possible dans les TNE. De grandes défiances des parents, peur des écrans, dépassement, questionnement par rapport à la place des réseaux sociaux également dans la vie des jeunes, comme vous l'avez rappelé, monsieur le secrétaire général. Et toutes ces transitions qui arrivent en même temps viennent nous bousculer, viennent nous interroger, et on a la chance d'avoir cet outil formidable que sont les TNE. Je crois vraiment, et c'est pour cela que j'ai engagé Réseau Canopée dans un contexte qui était compliqué aussi pour nous, de transformation avec une nouvelle mission dans cette politique publique inédite, parce qu'on le sait tous, en cumulant nos efforts autour de l'équipement, de la formation et de la parentalité à travers l'accès également à des ressources avec la filière EdTech, je crois vraiment qu'on est en mesure de prendre à bras-le-corps ces enjeux et de donner des réponses concrètes à ceux qui les vivent au quotidien, savoir les professeurs face à leurs élèves dans la classe.
Et je voulais simplement terminer sur ce que j'ai pu observer comme condition de réussite, et vous l'avez les uns et les autres souligné dans vos propos de lumière. Cher Claudie, vous l'avez dit, cher François, vous l'avez également souligné, et monsieur le secrétaire général Charbonneau, vous l'avez indiqué. Pour moi, il y a trois conditions de réussite de CPM, et on l'a vu dans le Val-d'Oise. Il n'y a pas de réussite dans le territoire numérique éducatif sans temps long, sans se laisser le temps de s'adapter au tempo de l'éducation, qui est celui du temps long, des usages, de la formation. Et ça, ça me semble très très important à rappeler tous ensemble. Laissons-nous le temps, et le temps de l'accompagnement par la recherche est aussi un temps long. On n'a pas les mêmes observations aujourd'hui, 3 ans après, qu'on pouvait les avoir, évidemment quelques mois après le démarrage du dispositif. Deuxièmement, il n'y a pas de réussite dans ces territoires numériques éducatifs sans alliance éducative inédite entre les collectivités qui ont en charge et qui ont les compétences d'équipement et d'accompagnement du numérique sur les territoires, le ministère de l'Éducation nationale et l'Académie, les opérateurs, comme la FOSA Projet, évidemment, Canopée, et les acteurs du numérique, que ce soit les entreprises, les associations. Sans cette collaboration très étroite et qui passe de manière très concrète, ici dans le Val-d'Oise, par des réunions toutes les semaines, je regarde Emmanuel Page, directeur de projet TN pour Canopée, il le dirait beaucoup mieux que moi, associant toutes les parties prenantes. Et ça, je crois que ça a fait bouger les postures les positions des uns et des autres autour de cette politique publique du numérique qui est très exigeante en matière de coopération et de collaboration. Et enfin, il n'y a pas de réussite des territoires numériques éducatifs sans attention aux usages, sans connaissance des enseignants, des élèves aussi, de leurs pratiques, et sans écouter ce qu'ils nous disent. Qu'est-ce qui est possible dans la classe? Qu'est-ce qui n'est pas possible dans la classe? Qu'est-ce qu'on peut faire en 50 minutes avec des élèves du premier degré, des élèves du second degré, avec un équipement, avec des contraintes de programme, etc. Et ça, écouter les enseignants et s'adapter à leurs besoins à travers une formation qui leur corresponde et qui les intéresse, et mettre ça en aiguillon de notre action, il me semble que c'est une condition de réussite. Donc, cette politique publique nous rend très collaboratifs, et c'est ce que je veux retenir, et nous rend surtout très humbles par rapport à ces petits pas de numérique éducatif dans un contexte qui nous oblige. Voilà ce que je voulais vous dire, et je remercie vraiment les équipes de Canopée, Emmanuel Page, Bruno Bérou, directeur sectoriel, Jérôme Lucchini, directeur de l'atelier de Val-d'Oise, et toutes les équipes qui ont travaillé sur cette journée et sur tous les autres moments qu'on a vécu dans cette CNE du Val-d'Oise. Merci beaucoup.